Bienvenue dans votre journal d'agriculture, mesdames et messieurs, vous êtes sur Le Rural Bénin TV. Voici les titres. L'Institut français du Bénin célèbre à partir d'hier à aujourd'hui 13 juillet les 30 ans de la déclaration de Rio sur l'environnement et le développement. Cet échange a pour objectif d'esquisser un bilan et réfléchir sur les nouveaux enjeux liés à l'environnement et au développement. Reportage dans ce journal. Cédric Bakpé nous amène à la découverte du fonctionnement du centre de regroupement et de vente des poissons d'élevage de la commune d'Adjara. Ainsi se présentent les titres de cette édition. 1992-2022, 30 ans que s'est tenue la première conférence des Nations Unies sur l'environnement et le développement, ou encore conférence de Rio. À l'occasion, une série d'activités a été faite à l'Institut français du Bénin à Cotonou les 12 et 13 juillet 2022. Reportage Martine Aoulé, Florent Deguénon. L'objectif de ce 30e anniversaire du sommet de Rio est de mener des discussions avec les acteurs à divers niveaux sur la protection de la biodiversité et le développement durable à travers des tables rondes. Il y a les trois conventions dites de Rio. La convention cadre sur le changement climatique, la convention sur la biodiversité et celle sur la désertification, qui sont traduites aujourd'hui en plan d'action dans chacun des pays. Il est resté après, 20 ans après, donc en 2012, les ODD, qui sont une déclinaison de l'agenda 21, mais chaque pays doit s'engager pour lui. Quand on a parlé d'ici, ici, on n'a pas parlé de la biodiversité des autres, on a parlé de la biodiversité du Bénin, on a parlé de comment faire pour que cette biodiversité fasse en sorte que la productivité de nos terres permette à nos paysans, à nos agriculteurs de mieux vivre de la production et que les terres soient moins dégradées et que ça nous amène moins à emblaver de l'agriculture sur nos forêts, à faire de nos forêts des champs classés. Pour le compte de la première journée, lumière a été faite sur la notion de biodiversité. Notre pays fait de grands efforts en matière de gestion donc de la biodiversité. Nous sommes à une phase extrêmement importante où le cadre juridique est en train de se mettre en place progressivement. Parce que pour inverser la tendance, ça ne va pas être dans 5 ans, ça ne va pas être dans 10 ans. Mais il faut asseoir donc d'abord des bases juridiques, la législation qu'il faut pour mieux réguler donc les questions de la biodiversité. Et nous sommes à cette phase et je pense que des progrès ont été donc accomplis. Et ensuite, je voudrais qu'on retienne quand même que l'autonomie des pays africains en termes de protocole de Nagoya, où les pays, nous, pays africains, nous pouvons dire les ressources qui nous appartiennent, nous devrions mieux les sauvegarder, nous devons mieux les défendre. Nous devons voir les enjeux de la gestion de ces ressources. On retient aussi que l'homme est l'ennemi de la biodiversité parce que c'est lui qui empêche en fait la conservation de la biodiversité. Il est l'acteur principal de la dégradation de la biodiversité, donc de la perte de la biodiversité. Et en tant que tel, chacun doit prendre conscience. Et c'est la dernière leçon que je voudrais évoquer. La prise de conscience doit être individuelle. Cette première journée a connu la participation active des acteurs de la société civile et institutions qui œuvrent pour la protection de l'environnement. C'était déjà de pouvoir faire participer une soixantaine d'ambassadeurs du Café Environnement qui sont des jeunes bénévoles décidés et engagés à porter le message environnemental plus loin. Et aujourd'hui, tout au long de la conférence sur les réseaux sociaux, nous avons fait une communication digitale active, impactante pour informer les populations qui ne sont pas présentes ici afin qu'elles puissent savoir exactement que dit le ministre Nyankaja, que dit le capitaine, que dit tel autre
autres intervenants, ainsi de suite, et comment est-ce que nous pouvons nous engager à la protection de notre planète. Donc, on a fait un pas de plus, et le ministre demandait à la fin, qu'est-ce que vous allez faire? Je pense que nous, on a eu une participation active, parce que tout le temps de cette célébration, nous n'avons fait que des posts et des posts et des posts, encore des partages, pour que le message qui est donné ici en direct puisse parvenir aux communautés et que chacun comprenne, oui, 30 ans après, où est-ce que nous en sommes, avons-nous changé, comment nous engager, la balle est dans notre camp maintenant. Démarré le mardi 12 juillet 2022, ce forum d'échange meublé par diverses prestations artistiques a connu son épilogue ce mercredi 13 juillet 2022. L'interprofession de la filière riz du Bénin, IFRIZ, avec le soutien d'Enabel et Procar Bénin, organise depuis hier au 14 juillet prochain à Dassazouma un atelier national de validation. Ceci s'inscrit dans le cadre de l'adoption du nouveau modèle de structuration des acteurs de la filière riz du Bénin et de définition de mécanismes de mise en marché du riz PADI. Le siège du réseau des producteurs d'ananas du Bénin, RIPAB, a réuni les membres du dit réseau et plusieurs acteurs de la filière ananas jeudi dernier à l'occasion de la célébration de la 100e édition de la Journée internationale des coopératives. L'objectif est de présenter les opportunités et avantages d'une coopérative au public. Suivez les images commentées par Martina Willy. Les coopératives construisent un monde meilleur. C'est le thème de la Journée internationale des coopératives édition 2022, organisé par le RIPAB. L'objectif est de vivre en coopérative afin de résoudre ensemble les problèmes liés à la production d'ananas au Bénin. La 100e édition de la Journée internationale des coopératives sous la thématique « Les coopératives construisent un monde meilleur ». Pourquoi les COPS contribuent à construire un monde meilleur ? Le modèle d'affaires coopérative guide naturellement les choix de gestion vers le développement durable. De plus en plus, il inspire les entreprises conventionnelles à prendre un virage durable dans leur gestion et davantage centré sur l'humain. Cette célébration a été l'occasion pour les responsables du réseau des producteurs d'ananas du Bénin RIPAB de sensibiliser les producteurs sur la nécessité d'appartenir à une coopérative. Quand vous êtes membre du RIPAB, vous avez des techniciens avérés qui vous suivent pour que vous puissiez produire des ananas de très bonne qualité. Quand vous êtes membre du RIPAB, vos capacités sont renforcées chaque fois sur la gestion, sur la production, sur un certain nombre de choses. Le commerce équitable, le RIPAB vend sur ce marché et ça permet d'avoir des primes. Des primes qui servent à construire des infrastructures dans la communauté. Le RIPAB est un grand réseau de production d'ananas biologiques au Bénin. La mairie de Natitengo a accueilli du 7 au 10 juillet dernier la deuxième édition du Festival de la Mangue organisé par la coopérative Yétanri. Ce festival représente une opportunité pour les transformateurs de mangue du Bénin en général et ceux de Natitengo en particulier de présenter les dérivés de mangue aux populations. Pour ce faire, conférences, débats, visites de stands et séances de dégustation des jus de mangue ont meublé cette foire. Le maïs est une filière prioritaire et donc avec une estimation hautement qualifiée de consommation basique. En effet, les producteurs et commerçants de la commune de Pobé font face à une difficulté d'accès au marché. Suivez le constat de Ruth Edo et Sergio Agbandjaï. Les producteurs et commerçants de maïs de la commune de Pobé disposent d'un système compétent de gestion de la vente du maïs au sein du parc de la commune. C'est la mairie et l'association des commerçants qui gèrent le parc à maïs de Pobé. Le maïs est un produit périssable, donc il faut vraiment veiller à la qualité, avoir un maïs de qualité au départ.
Et au moment de la vente, lorsque le stock est bien entretenu, c'est-à-dire que tu peux trouver un marché d'écoulement facilement à un prix vraiment rémunérateur sur le marché. Il faut commencer par faire la prospection du marché. Le maïs est à quel prix aujourd'hui? Dans notre milieu ici à Koubé, mais aussi sur les autres marchés. On profite aussi pour faire la recherche de marché. On fait les sensibilisations au niveau de la radio pour dire, OK, nous avons tel stock au niveau de notre magasin pour pouvoir faire appel aux acheteurs potentiels. On passe maintenant à l'étape de prise de décision, de moment où il faut faire le déstockage. Lorsque nous finissons cette étape, on prend la décision au niveau du comité multi-acteur. Quand on finit, on informe les acteurs pour dire, OK, le prix du marché actuel, voilà le montant, ça vous convient. Et c'est quand le OK est pris qu'on ouvre le magasin, on commence par vendre. Bien que le maïs soit stocké dans un pack à poubelle, il existe un véritable problème de commercialisation. Les acteurs qui doivent quitter l'extérieur, les pays voisins, qui sont des gros consommateurs, en l'occurrence des unités de provenderie, ne se sont plus trop intéressés à cause du prix. Enfin, ces derniers invitent le gouvernement à faire preuve de compassion afin que la filière connaisse une avancée notable. Les pisciculteurs de la commune d'Adjara disposent d'un centre de regroupement et de vente des poissons d'élevage. C'est l'une des grandes réalisations du programme Approche communale pour le marché agricole phase 2 qui tend vers sa fin. Découvrons un peu comment fonctionne ce centre avec Cédric Bagué. Faciliter la mise en marché du poisson après la production, c'est la raison qui a motivé la construction de ce centre de regroupement et de vente des poissons d'élevage au profit des pisciculteurs de la commune d'Adjara. Ici, les activités se mènent de façon particulière. Akumba nous a aidé à réaliser ce centre-là, que nous appelons centre de regroupement et de vente de poissons. L'organisation est faite de telle manière que chaque pisciculteur ayant déjà ses étangs piscicoles vers les bas-fonds, quand il fait sa production et sa maturité de vente, et il appelle le gestionnaire pour dire j'ai telle qualité de poisson que je veux vendre. De ce centre, les poissons sont convoyés vers les marchés environnants pour être commercialisés. Tout ce processus est bien suivi et une contribution au développement local est versée dans la caisse communale par les acteurs. Nous allons là-bas contrôler si c'est réellement ce qu'ils disent. Après le contrôle, on convoie les poissons vers le centre. Quand nous convoyons les poissons vers le centre, la demande est déjà là. Nous avons déjà la demande là. Donc on fait appel à nos maïs qui viennent chercher les stocks. On amène ça ici, on filme ça ici, et les individus qui veulent faire leur cuisine à la maison viennent aussi acheter ici. Les maïs sont là. Elles viennent acheter, elles filment ça ici, elles amènent dans les marchés pour revendre. Cette infrastructure rend la tâche plus aisée aux acteurs du pôle d'entreprise agricole poisson d'Adjara. Toujours avec vous, Cédric Bagué, restons dans le département de Loumé pour nous intéresser à l'activité du warrantage de l'huile de palme dans la commune d'Adjourou. Une activité qui permet aux acteurs de la filière palmier à huile de cette commune de se faire assez d'économies. L'huile de palme est l'un des produits dérivés du palmier à huile. Pour la commercialiser, les acteurs de cette filière résidant dans la commune d'Adjourou ont adopté le warrantage. Il consiste à conserver l'huile au centre de stockage d'huile de palme d'Adjourou pour la revendre en période de rareté sur le marché. Les acteurs se sont organisés de telle manière qu'il y a un comité qui est mis en place pour gérer l'activité de warrantage.
Ce comité réceptionne les déposants et passe, disons, au contrôle de la qualité de ces huiles et font le transfert des huiles dans les tanks et renvoient ça dans le grand tank qui est derrière nous. Ce système permet aux acteurs de la filière palmier à huile de bénéficier de crédits auprès des institutions de microfinance. Si l'acteur ou le déposant qui vient exprime un besoin d'être financé, il le dit, et le dépôt qu'il a eu à faire va servir de garantie. En fait, c'est sous forme de garantie matérielle, comme je peux appeler, comme si c'est un nantissement de stock que le déposant fait là, histoire de bénéficier d'un crédit de la part de la structure qui nous accompagne. Une fois les huiles vendues, les acteurs remboursent leur crédit et bénéficient encore de quelques ristournes. Ce qui nous est construit ici, là, moi, ça me sert de grenier. Sinon, avant là, les bidons, vous savez que les bidons coûtent cher maintenant. Donc, si tu as 20, 40 bidons maintenant, tu envoies ton Lulu ici, automatiquement, on te sert, tu renvoies tes bidons, tu remplis d'autres. Au lieu de prendre des centaines de bidons à la maison. Donc, c'est bon. Et après ça, après la vente, on prend le sou en gros, l'argent là, on prend ça en gros et ça peut te servir. Le warrantage est une solution qui vient soulager leur peine d'alors. L'Agence territoriale de développement agricole du pôle 7, ATDA 7, et certains acteurs vont se réunir pour la première revue semestrielle de l'année 2022. Cette rencontre aura lieu à partir de demain, jeudi 14, au vendredi 15 juillet prochain. Nous y reviendrons pour plus de détails. Le conseil d'administration du FMI a approuvé le 8 juillet 2022 un accord de 42 mis au titre de mécanismes élargis de crédit et de la facilité élargie en faveur du Bénin. Les ressources ainsi mobilisées permettront au Bénin de répondre aux besoins de financement urgents liés au choc actuel, pandémie de la COVID-19, guerre en Ukraine et les problèmes sécuritaires régionaux. Préserver la stabilité macroéconomique et contribueront à l'atteinte des objectifs de développement durable ODD à travers un meilleur accès aux services publics de base et une meilleure présence de l'État dans les zones vulnérables. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi et bonne suite de nos programmes.